Si des centaines de millions de personnes à travers le monde ont acté qu'il existe une vie après la mort et que l'âme est amenée à se réincarner, il reste une question majeure en suspens. Que se passe-t-il lorsque vous rendez votre dernier souffle? Où allez-vous? Qui y retrouvez-vous? Et pourquoi? Quel choix serez-vous amené à faire pour définir votre prochaine incarnation? Je vous propose de m'accompagner pour une aventure exceptionnelle. Car, pour la première fois, j'ai eu l'autorisation de vous ouvrir les portes de ce que nous appelons l'entre-deux-vies. I'm coming home. Oh, oh. I'm coming home. I wanna be home for the holiday. Because home is only home when I'm with you. When I'm with you. J'ai conscience que ces questions peuvent vous donner le vertige, mais je serai là, à chaque étape, pour vous donner les clés de compréhension nécessaires. Pour commencer, il me faut choisir une âme dont le précédent corps vient de mourir. Elle, c'est Lucie. Son corps vient de s'éteindre à l'âge terrestre de 40 ans. Une vie plutôt courte, mais qui va vous éclairer sur les enjeux qui vont s'ouvrir à elle désormais. Lucie ? Oui. Pouvez-vous me décrire ce qu'il vient de se passer ? C'est déstabilisant. Je suis pas morte. Enfin, si, mon corps, lui, il est mort, mais moi, j'existe encore. Je peux voir ce qui se passe. Je vois les urgentistes s'affairer. Ils ont l'air résignés. Ils ont raison. C'est fini pour moi dans cette vie. Qu'avez-vous envie de faire? De crier. Je voudrais leur dire à tous que je suis là, que c'est différent, mais que je suis bel et bien là. Je peux me déplacer aussi. Je peux aller voir mes proches. Ils pleurent. Je les comprends, mais je voudrais pouvoir les réconforter. Leur dire que je souffre plus. Je suis comme libérée. Et maintenant, je peux aussi communiquer par la pensée. J'ai plus d'emprise sur les objets solides. Ma réalité est en train de changer. Je sais que je peux quand même agir, mais d'une autre façon. Et il y a mon mari. Il pense qu'il est seul. S'il savait comme je me sens bien. Je vais retrouver ma maison, ma vraie maison. Il me rejoindra plus tard, quand son heure sera venue. On a traversé tant de choses ensemble qu'il se sent pas capable d'affronter le monde sans moi. Mais je peux lui faire sentir mon énergie. Ne t'en fais pas. Je vais bien. Mon amour pour toi est intact. Je suis heureuse. Je suis libre. Je suis même euphorique. C'est tout à fait normal. Votre âme va retrouver la totalité de ses facultés. Elle comprend à nouveau tout ce que l'amnésie de votre naissance terrestre avait retiré. C'est bon. Il sait au fond de lui que je suis à ses côtés. Comment s'est passée votre mort? J'ai fait une crise cardiaque. C'est jeune. J'avais eu des signes avant-coureurs, mais je les ai pas écoutés. Et mon cœur s'est arrêté au détour d'un bâtiment, sur mon lieu de travail. Et là, j'ai senti comme une force extraordinaire qui m'a poussée en dehors de mon corps, en passant par le haut de mon crâne. Comme une pointe lumineuse qui en sortirait. C'est étrange de se sentir comme ça, lumineuse. Voyez-vous une autre lumière que la vôtre ? Oui, elle est très forte. Elle m'appelle. Elle m'attire irrésistiblement. Mais je veux pas partir tout de suite. Je peux rester encore un peu ? Certaines âmes partent immédiatement, mais d'autres choisissent de rester jusqu'à leur funérailles. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. C'est quand vous serez prête.
Je vais prendre le temps de les accompagner encore un peu alors. Il arrive parfois que des âmes perturbées par un problème non résolu refusent de quitter le monde terrestre. Elles deviennent ce que vous appelez des esprits ou des fantômes, accrochés à un lieu, à une personne, à une époque. Ces cas sont rares. Et nous leur envoyons alors des entités supérieures et bienveillantes pour les aider à accepter et à s'adapter à leur nouvel état. Je suis prête. J'ai pu enlacer une dernière fois mon fils de ma chaleur. Comment percevez-vous le tunnel de lumière ? C'est indescriptible. Ça m'attire et j'ai très envie d'y aller. C'est tellement brillant, c'est tellement apaisant. Vous pouvez vous diriger vers elle en toute sécurité, Lucie. C'est un portail qui vous donne accès à l'au-delà, à l'entre-deux-vies. L'âme de Lucie va désormais entamer le chemin qui va l'amener auprès des siens. Certains le visualisent comme un tunnel, mais il s'agit d'un espace infini, lumineux, composé de couches de lumière superposées, entremêlées. Lucie les traverse, accompagnée de nombreuses autres âmes de retour à la maison. J'entends comme des sons, comme une musique. Elle a une utilité importante. Elle est là pour vous amener une grande tranquillité, une relaxation intense, telle que certains peuvent la connaître sur Terre pendant des phases méditatives. C'est l'énergie universelle qui produit ces sons. Elle revitalise l'âme de plus en plus au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la Terre et qu'on se rapproche de notre prochaine destination. Je sens que je retrouve tous mes souvenirs des vies passées, ça me revient. Oui. Il faut un temps à votre âme pour retrouver sa toute-puissance, et donc tous les souvenirs de ce que vous avez traversé au fil de vos nombreuses incarnations. Ce temps peut fluctuer, selon les circonstances de votre mort, votre ouverture à l'hypothèse des vies antérieures lors de votre incarnation et votre capacité à avoir accompli ou non certains défis que vous vous étiez fixés avant votre naissance. Je reconnais cet endroit. J'adorais m'y rendre quand j'étais dans la peau de Vitellius, un soldat romain. Entre deux guerres, cet endroit m'apaisait. Il me connectait à autre chose. Vous avez besoin de ce lieu qui vous rappelle des moments doux. Nous sommes toujours dans une phase qui vous permet d'apaiser et de guérir l'âme après votre incarnation terrestre. D'autres peuvent se retrouver dans une maison, sur une montagne, ou tout autre lieu qui les ont particulièrement marqués. Cet endroit vous est propre, car l'âme et vos parcours d'incarnation sont uniques. Je sais que je vais avoir de la visite. C'est Annex, c'est mon guide! Je suis tellement contente de te revoir. Oh, mais quelle joie de te voir, de te revoir! Alors, comment tu te sens? Encore déboussolée. Je sens encore de la frustration en toi. C'était trop tôt. J'avais pas encore réalisé tous mes projets. Et cette douleur, elle me fait plus mal, mais elle est imprégnée en moi. Ta précédente mort t'a abîmée, mais on va y remédier. Ton chemin ne fait que commencer. Thank you.